Je roule un peu plus du coup, avec mes 400 km. Ah oui, mais vous parlez de votre voiture personnelle? Ah oui, personnelle, oui. Ah oui, quand même. Quoi? Oula, attention, attention à la plante. Ah, c'est une jolie plante, ça. Oui, oui, magnifique. Ah, carrément. Ah bah, il travaille beaucoup, là, je sais pas, il est vraiment très dynamique, hein. C'était une plante très épicée, dis donc. Ouais, il met dehors, il met dedans. Il risque de voyager, là. Non, non. Si? Ah, monsieur Dosier. Il a pas compris. Non, vous pensez que c'est une plante. C'est pas la sapinette qu'il y a derrière vous, hein. C'est une plante spéciale. Ah, j'ai pas vu, hein, j'ai pas reconnu. Enfin, j'y comprends pas grand chose déjà. Pas oui. Mais... Attention, le voilà. J'ai oublié la gamine dehors, dis donc. Oh, putain. Eh ben, dis donc, mais ça travaille dur là. Hein. Monsieur Dosier, il me fait peur. Oh, je t'avoue que là. Fait énormément peur cette personne, monsieur Dosier. Ah bah dis donc, ouf, il y va en tout cas. Waouh! Magnifique! La voiture, bientôt le chief il va voir sa voiture. Hein. Nouvelle voiture, je sais pas ce que c'est. Hein. Aucune idée. Ah, quoique si je vois. Ouais, je vois pas trop d'ici. Bah, toi, du coup, tu travailles où maintenant? Pas. Oh putain, je travaille pas. T'es au chaud, t'es au chaume du. Ouais, c'est ça. Oh merde. Je profite. Il y a les EMS qui recrutent. Je sais pas si t'as vu sur l'application les pages jaunes. Oui. Je pense qu'un peu tout le monde recrute. Hein. Sur le téléphone, vous avez l'application? Oui. Non, dans l'application, les pages jaunes. Et dans les pages jaunes, il y a une annonce comme quoi l'hôpital recrute. Ah, ben tiens, je vais regarder ça. Hein. Oui, un peu tout le monde recrute actuellement. Oula. Vous pouvez l'avoir passé. Ah, il va jeter la pancarte à la poubelle. Ah, ben dis donc. Monsieur le gouverneur. Oui, oui, non, mais oui. Oui, monsieur Dosier, vous pouvez m'appeler monsieur Dosier. Hein. Oui, monsieur Dosier, Mamoutouane Nebert. Oula, pardon. Aïe, oh, putain. Oula. Oh, c'est mon spasme. Eh ben. Ça va aller? Ouais. Ça va, je commence à prendre l'habitude avec lui. Non, c'est parce qu'en fait, je fume pas mon cigare. Vous êtes sûr que vous fumez que des cigares, monsieur? Je vous jure à 2300%. Ah oui, ça fait beaucoup ça, 2300%. Oui. Ça fait 23 oui. fois plus que la totalité. 23 fois plus que la totalité. Oui. Donc, oui, là on a presque. Vous voulez voir ma moto? Ah oui, on veut voir votre moto, oui. Bah, elle est juste là, elle est garée. Ah bah, parfait. Bon. Ah, oh, pardon. Monsieur Dosier. Oui. C'est en moto, celle-là. Ah, c'est là. Ben, je sais pas, moi, comment vous êtes arrivé. Ah, là, voilà. Ah, la bête, là, voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est ma moto. Ah, oui. Ah, ouais, celle-là, elle est belle. T'étais en exposition, je crois, il y a quelques jours. Magnifique. Ben, maintenant, c'est la mienne. Elle n'est plus en exposition. Ah, il n'y a pas la tête de mort devant. Magnifique. Non. Non, parce qu'en fait j'ai vu celle avec la tête de mort, j'ai fait les tests parce que je l'ai demandé pour tester. Et en fait celle avec la tête de mort, au-dessus des 130 km/h, si on veut tourner, eh bien la moto elle dérape et on vole. Oh mince, alors ça c'est. Et alors je l'ai testé avec beaucoup d'équipements et au final j'ai fini à l'hôpital. Donc au final j'ai pris elle. Ah bah oui, elle a plus belle. Ah oui, elle est belle. Elle est très basse par contre, je trouve qu'elle est très basse. Voyez, alors c'est normal, vous allez dire, monsieur, oui. Vous ne connaissez rien, hein, mais je trouve qu'elle est très basse. Hein. J'ai une autre automoto. Mais c'est pour aller sur les routes, voilà, donc c'est normal qu'elle soit basse. Oui. Qu'elle soit basse. Et puis c'est plus agréable, on est plus près du sol. On sent mieux la route.
Et j'ai une autre moto. Ah, vous en avez une autre? Oui. Même Nas, tu n'as déjà vu. Vous avez elle est belle. Ah, Nas. Ouais, elle est sympa, elle est sympa. On va la montrer une autre fois, bien sûr, mais... Oui, mais quand vous passerez au garage, pourrez vous montrer. Il faut que je vienne au garage, de toute façon, pour réviser ma voiture. Ma très jolie voiture, pour finir à faire réviser, donc je passerai, bien sûr, dès que possible. Mais, alors, dans ce cas-là, je pense que ce sera plus Nas, parce qu'il s'y connaît mieux en auto que moi. Moi, je suis plus moto. Après, si Nas me dit de le faire, je le fais parce que je me connais quand même, mais lui, c'est un expert dans les auto. Ah bah, dis donc, regarde. Bah, elle est très jolie, moi, je trouve. Mais le bruit, il est vraiment, je veux dire, on le ressent. Bah, écoutez, regardez, je vais vous montrer, je vais l'allumer. En fait, attention aux oreilles, ça peut un peu bourdonner les premières fois. Attention. Ah oui, donc là, on sent bien, oui. Oui, c'est la moto de Merle. Oh, mais génial. Tu sais, là, c'est elle, la moto que je t'avais parlé, c'est la moto de mes rêves. Oui, j'ai vu. Ma félicitation, écoute. Oui, et bien là, maintenant, je suis aux heures. Bah écoutez, la prochaine chose que j'achète, c'est un grand hangar avec un grand podium pour pouvoir mettre ma belle moto. Ah oui, la bichonner aussi, la nettoyer, vous savez que le chiffon blanc là. Ah mais ça vous savez, je l'ai fait déjà 24 fois par jour. Chaque heure, je lui passe un coup de chiffon. Oh. Elle est très jolie, vraiment. Il n'y a rien à dire, hein. Ouais. C'est le style aussi, on est bien droit sur la moto quand on conduit, hein, avec le guidon qui... Bah, il est très passionné de moto en fait. Et d'ailleurs, il a eu une bonne idée tout à l'heure. Oui, il m'en a parlé de son idée. Je suppose que c'est... Il voudrait ouvrir le garage moto. Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est une très bonne idée. Pour les moto, mais plus tard, parce que pour l'instant, bah, je travaille pour Nas. Et Nas, c'est mon meilleur ami, alors pour l'instant, je vais pas lui voler le client, alors qu'il y a déjà pas beaucoup de clients. Oui, bien sûr. Quand il y aura plus de clients, eh bien, on pourra voir. Bien sûr. On en discutera, vous viendrez boire, et puis quand le moment sera choisi, eh bien, oui, on essaiera de voir. Oui. Parfait. Très bonne idée. De toute façon, c'est un peu la logique, hein. Il faut qu'il y ait quand même une différence entre les véhicules 4 roues et les 2 roues, si j'ose dire. Ah, il est parti. Ah oui. Donc, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir montré votre véhicule. Je trouve que ça me... C'est normal. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris. Je sais pas, il a dit, faut faire les jambes, allez mon cousin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu violent, non? Il a pété un câble. Je sais pas, tout à l'heure, il est en train de faire du karatéka dans le concessionnaire. Ah oui. Tirez-lui dessus. Allez, il en voit arrière. Tapez-le. Vous avez pas une carabine là pour casser les jambes à lui? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas, il est arrivé tout nu dans le concessionnaire. Il s'est frotté au meuble. Mais on n'est pas à la fête foraine, on n'a pas des carabines pour tirer sur les gens. Hein. Il se frotte au meuble, ce prédateur. Incroyable. Ah ben ça alors. Bon, ben, la police est derrière, hein. Je pense que peut-être ils vont l'arrêter. Alors quoique en moto, c'est compliqué parce que ça va vite des fois, hein, certaines motos. Mais bon, la police est là. Moi, vous savez, j'avais Croc un fut un temps. Croc, c'était un bon chien. Ah oui. Oui, quand je regardais quelqu'un, je lui dis croque monsieur. Et du coup, ben, il allait croquer le monsieur croque. Là, c'est une question que je me suis posée, ça. Est-ce qu'on a un service animalerie en ville pour faire importer les animaux? Non, je ne pense pas. Pas encore? Pas encore. Ouais, pas pour l'instant. Moi, je parle de mon cousin, si tu veux. Tu veux quoi comme bestial, mon copain? Exotique, non exotique? Ah, moi, je vais pas en acheter une, je voudrais faire venir mon chien qui est en attente à la frontière, en fait.
quoi? Un chien vivant que je peux dompter. T'as un poney, mon copain? Et lui? Ça se dresse, ça se dompte. Mais moi, je le dompte. Ah ouais, toi, t'es fou, toi. Dans le sud, ils disent « Oh, le chien de tes morts, écoute-moi. » J'ai fait un stage dans le sud pour mieux dresser mon chien. Après, c'est dangereux parce que dans le sud, ils se disent beaucoup cabots de tes morts quand ils regardent leur chien. Du coup, je sais pas s'ils veulent le tuer à chaque fois qu'ils lui parlent. C'est pour ça qu'il faut vivre dans le nord, mon copain. C'est bien, on est tranquille. Mais moi, si j'ouvre mon garage de moto pour réparer, je l'ouvrirai dans le nord. Oui, je pense que dans le nord, c'est l'endroit où on a les meilleurs paysages, monsieur Dozy. Oui. Oui, le nord, c'est quand même est beaucoup plus calme. Madame. Ah, ben, il va redraguer une dame, le pauvre. Ah, ben, dis donc. Mais vous voulez pas l'arrêter pour harcèlement? Ben. Compliqué, le harcèlement. C'est plutôt prouvé par téléphone, le harcèlement. Vous voyez? Ou vraiment quand la personne surveille l'autre personne. Sinon, vous vous tournez, moi je m'occupe de lui. Non, ça ira. D'accord. Dites-moi, monsieur, toutes les demoiselles qui vont passer, vous leur demandez son numéro de téléphone? Vous pouvez m'appeler Jack Jones ou Jack, comme vous souhaitez. Jack Jones, ok. Ouais, très bien, monsieur Jack Jones. Mais il est là, monsieur tout nu. Ah ben oui. Mais c'est qui ce gars? Mais je sais pas, mais il a une sale gueule. Attends qu'il descende, Cabot c'est mort, comme ils disent dans le sud. Attendez, je vais me confronter à lui. Ah, c'est pas une bonne idée, je pense pas. On sait pas s'il est armé, hein. Mais bon. Mais il roule quand même dangereusement. Il cherche. En tout cas, moi je vous le dis, s'il touche ma moto, moi je l'enterre. Je sais pas ce qu'il a dit en passant, mais il cherche hein, quand même. Hein. Il cherche. J'entends pas, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Touche ma moto, hein, parce que s'il touche ma moto, moi je l'enterre. Il y a des chances que ça finisse mal tout ça. Ben, il a pas intérêt à la toucher. Tu te rappelles comment il a fini le dernier café de rayure au pot d'échappement de ma moto? Je préfère oublier. il a appris à klaxonner avec son crâne. Ah oui, quand même. Il y a une demoiselle qui passe. Il y a une demoiselle qui passe. Madame, je cherche une nounou. Madame, je cherche une nounou pour la copine de ma fille. Oh, pourquoi il a fait un accident? Il est tombé. Oh, oui. Il a touché, il est pas tombé. Ah si, il est tombé. Quel abruti, il a réussi à tomber. Incroyable, mais c'est qui ce fou? Ah, il est pas tombé hein. Ouais, celui à la moto là, vous voyez la moto sur la route là. Et je crois qu'il est parti en courant, je sais pas. Il roule encore? Oui. Mais regardez, la moto est par terre là-bas. Ben, ça c'est très bizarre. C'est la moto qu'on voit là-bas? Bah ben, oui. Non. Non? Ah bon? Non. La baisse c'est une poubelle. Il a pris à gauche. Ah non, mais il est pas tombé. Il est pas tombé. Il a pris la descente à gauche, juste là. Ah, il a cogné la voiture alors. Il est pas tombé. J'ai vu l'objet par terre. J'espère dans un virage, juste à la lampadaire. Mais celui-là, on va le cramer. Il est où? Oh putain. On va le brûler. Non, mais faut pas faire de golf avec les humains. Hein. Oui. Non, mais. Voilà. Tant qu'il vient pas, comment dire, déranger, bon, bah, après, chacun fait ce qu'il veut, il y a la police qui est là pour gérer. Hein. Moi, je le dis, du moment qu'il touche pas ma moto, je m'en fous. Oui, voilà. Ben, voilà. S'il touche ma moto, ou s'il touche Nas, eh ben là, il va avoir des problèmes. Ah ouais, il va nous dire ce qu'il y a par terre là-bas, parce que moi je vois pas très bien, il fait nuit. Mais qu'est-ce qu'il y a par terre, monsieur Jones? C'est une porte. Ah, une porte, je vais appeler mon cousin, il va venir la chercher.
Ah, il a bien touché. Il faut la ramener à la ferraille. Ouais, on va la vendre, mon cousin va la vendre. Oui, ça rapporte un peu d'argent, ça. Mais il a bien touché la voiture, et il a touché la porte, et exactement. C'est pour ça que je pensais qu'il était... Mais il va encore très bien, il est encore en mode de moteur. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Il va passer jusqu'à quand on sera plus là. Hein. Moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne un lampadaire, un poteau, qu'on le couche par terre. Et comme ça, quand il passe à toute vitesse, il s'éclate la face dessus. Non, c'est les poteaux de la ville. Ça coûte cher un poteau comme oui, ça. Oui, c'est vrai. Ça va pas être possible. 3 500 $. Ouais. T'as pas des clous? Des clous pour mettre par terre? Une oui. Nette, ça. Bah, comme ça, il s'arrête. Faudrait mettre une herse. T'as pas ça, le gitan? Ce serait plus au travail de policier de faire ça. T'as pas des clous, comme ça on fait une herse avec les clous. Ah, moi j'ai de tout, j'ai du clou, des cuivres, j'ai des pans, c'est ce que je me disais. Eh ben mets plein de petits clous par terre, comme ça quand il passe à l'arrêt. Attendez, j'ai laissé la torche ici. Mais si c'est pas lui qui passe, c'est quelqu'un d'autre, alors il va crever. Lui prend pas les clous, monsieur Dezil a raison. Ah, il a cramé le buisson. Ah oui. Oui, avec la torche, je pense qu'il va avoir un peu peur s'il le passe. Hein. Oh, j'ai brûlé, j'ai brûlé. Comment ça l'aime? Mais je pense que toi, tu le brûles. Ah, mais il est là. Ah, non, c'est pas lui. Oh, je pense qu'il passe là. Ah, bah. Pif. Non, là, c'est Barson, ça. Pardon? Est-ce que vous l'avez attrapé, Chief, le monsieur? Mon moto. Non, mais il a eu un accident. Oh yes! Il a eu un accident. Ah, d'accord, peut-être qu'il est à l'hôpital. Ouais, sûrement. Oui, sûrement. Oh, je vais me casser la gueule. Bah, la vitesse. Ben non, mais il est à l'hôpital, faut pas le faire, faut pas le taper à l'hôpital. Mais oui, bon, ben écoutez, il aura appris sa leçon, hein. Faire un peu la. Voilà. Un peu provoquer. Ok, bah c'est un risque, hein. Ah bah là pour le coup. Oui. C'est un risque, un gros risque. Bah oui. Ah bah il revient déjà, il a couru jusqu'à l'hôpital. Oh, je pense pas qu'il est pas allé à l'hôpital. Je sais pas par où c'est moi l'hôpital. Non mais laissez tomber, c'est pas la peine d'aller à l'hôpital, il est déjà à l'hôpital. L'hôpital, c'est par la baie, vous courez toujours plus loin. Et ah non, c'est là. Là, vous courez. Oui, et là, quand vous arrivez en face, il y a un tunnel. Faut aller au bout du tunnel. Et après, c'est la première à droite. Mais non, je viens de parler à mon copain. Non, mais c'est pas la peine d'aller à l'hôpital, ça se trouve, il s'est cassé un bras. Imaginez, il s'est cassé un bras. Ben voilà, ouais. C'est un peu en bras. En bras. Comme ça, faut lui casser le corps entier. Oh, quand même pas. Enfin, non, mais ça, c'est dangereux de casser des corps entiers. Mais ça se fait pas, je veux dire, voilà. Vous avez pas le droit, hein. Oh, je vais lui faire du tourisme chez moi, dans le nord. Je vais me chercher un truc à grailler la voiture, ça. C'est le nord, ça c'est une bonne idée. On va faire des châteaux de sable. Je vais en profiter pour rouler une clope rapidement. Lince, tu vas faire quoi? Je prends un truc à bouffer vite fait. Attends, mais viens, on va tourner la roue vite fait, et après on revient. Ouais, on peut faire ça. Attends, on leur dit, on est juste appelé, on arrive tout de suite. On peut très bien leur dire qu'on va au casino. Oui. Bon, ben Jack Jones, d'accord, ça va, je... Monsieur Dozy. Oui, monsieur Magarov. Nas a eu une très bonne idée. Il a dit, rester ici avec un fou au volant. C'est dangereux parce qu'il risque de repasser. Alors pourquoi ne pas aller au casino comme ça on peut tous tourner la roue? Oui, écoutez, c'est pourquoi pas. Ça nous occupera un petit peu, puis oui. Il nous verra plus, il passera plus, effectivement. Oui. Hein. Il a des bonnes idées, Ness. Hein. C'est pour ça, c'est mon patron. Ah, je comprends maintenant. Ça y est, je visualise. Oui. Bah écoutez, oui, Chief, vous nous suivez? Vous venez avec nous? Est-ce qu'il est en service, c'est la question? Je pense que oui. Oui, il est en service, mais alors il peut très bien aller au casino, hein. Enfin,
Je suppose que, au contraire, ça montre que la police est présente dans un lieu. Il est sur la sécurité du gouverneur. Oui, oui, je pense que le casino sera ravi même d'accueillir la police. Ah, madame, tu veux pas devenir une nounou? Personne, hein. Personne veut garder la fille de ma soeur. Oui, mais la petite, elle est petite. Ça dépend de ta soeur, elle a quel âge? Oh putain. La fille, pas ma soeur, elle est mariée. Oui, mais elle a quel âge, ta soeur? 35. Ah ben, si tu veux, je peux garder sa fille et ta soeur en même temps. Mais non, elle est pas là. Elle m'a laissé sa fille. Toi, t'es bizarre, toi, tu gardes pas les enfants, mon copain. Elle revient quand, ta sœur? On va revenir avec, avec son mec, t'inquiète. Ah, trop bien. Bon, on va au casino. Bon, allez, c'est parti, messieurs. Allez. Allez, allez, on est parti. Courage, monsieur. Vous voulez pas, vous? Moi, je comprends pas pourquoi il veut pas que je rencontre sa sœur. Oh, bah, écoute. Elle est trop belle. Nat, elle est trop belle. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'avec la tête de mort, elle serait peut-être mieux. Non, allez. Non, mais avec la tête de mort, une fois que tu dépasses les 140 et que tu veux tourner, eh ben, elle drifte d'un coup. Ah ouais, c'est le bordel. C'est pour ça que j'ai pris elle. Ok, ok. Okay. Et elle est mieux sans tête de mort, je trouve. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas le même style. Mais avec la tête de mort, ça fait trop kéké. Ouais, ouais. Bon, ouais, let's go. Ouais, ouais. Moi, je la gagne 3 fois par jour, la voiture. Ah bon? Non, c'est pas vrai. On peut tirer qu'une seule fois par jour, la rue. Ah. Ah, bah, y a du monde, hein. Ah, ouais, y a toujours du monde ici. Ah, je trouve que c'est un endroit plaisant. Ah, bah, on vous attend. Welcome. Ah, prends les jetons du jour. I hate this city. On va en prendre 900 en plus. Good luck. Où est-ce qu'ils sont tous? Je
Monsieur Doucy, je crois bien qu'il est allé chercher un café au bar. Ah oui, il est au bar là-bas. Et je crois bien qu'a priori aussi. j'avais pas vu. Là, je vais manger un petit bout là, puis je vais faire tourner la roue. Mais il est où, monsieur Dossi, monsieur Prio? Ils sont au bar à bar. On tourne la rue, on les éteint. Vas-y, je te laisse commencer, je suis en train de manger. Non, j'ai le random. Non, t'as... ah, si, ouais. J'ai gagné quoi? Bah, la voiture, non? Non. J'ai obtenu un Coca-Cola. Ah, bah, super. J'ai plus d'argent. We have a winner of the mystery prize at our lucky wheel. Ah, tu parles de... Et Nas, si tu gagnes au-dessus de 20 000, tu me donnes 1 000 de l'air. Non. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, qui commence? Bah, je viens de commencer, j'ai eu un coquet de collet. Moi, je vais y aller là tout de suite, là. Bon, allez, la voiture, hein. Mais lui, il a trop de chance, il va gagner. Là, il va avoir la mort. Bah, il a les sous. Ah non, bah, il a 20 000. Non, 2500. Ah, c'est déjà bien. Allez. Bravo, bravo. Let's go. Monsieur Barson, à vous. Pourquoi j'ai jamais payé aussi cher un Coca-Cola? Bon, allez, j'y vais, alors n'importe. Yes. Oui. J'ai jamais payé aussi cher un Coca-Cola. 1000 dollars le Coca-Cola, ça fait cher. Hein. J'en ai eu 3 moi au total. Allez. Allez, pas de coca, hein. Le sandwich. Ah, le vous sandwich. Avez 7500 dollars. Non, il va avoir les 20 000. Les 7 000. Le sandwich. Ah non, 7500. Oui, je vous l'ai dit. Ben oui, vous aviez raison. Moi, je vois dans l'avenir. Ah ben bravo. Bien joué, monsieur. Je ne l'avais pas vu venir que j'ai payé 1000 dollars en Coca-Cola. Ah oui, ah ben oui. Ah, monsieur Barson, là, il va faire la caisse bancaire, hein. Oui. Oh, il a 2500. Oh, c'est bon. Bravo, bravo. Ah, bravo, hein, bravissime. C'est vraiment beau, ça, vous gagnez de l'argent dans cette ville et pas des Coca-Cola. Ah bah oui. Après c'est le doigté, hein. Il faut avoir un certain doigté pour la faire tourner, hein. Il est vrai. Ouais. Mais j'ai un vrai problème, j'ai eu un Coca-Cola que je peux même pas boire. Oui, il paraît qu'ils sont très amers, hein. Ne les buvez pas, ils sont très amers ici, hein. Mais... Ouais. Mais... La dernière fois j'en ai eu deux, les canettes étaient vides. Mais oui, on m'a donné une canette vide. Bah voilà, ouais, toi ouais. Aussi. Moi j'ai eu 10 sandwichs, mais il y a une dernière fois, 10 hamburgers, mais il n'y avait pas la viande. Ma foi, la voiture est quand même belle, hein. Oh là 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 là. Disons que celui qui va la gagner, il va être content. Ah oui, j'aimerais savoir le bruit qu'elle fait, hein, quand même. Hein. Moi je veux pas la gagner, parce que j'aime pas les auto. Ah oui, il faudrait qu'il y ait une moto à côté. Comme ça, on peut gagner soit la voiture, soit la moto. Ah si, à la moto, moi je prends la moto. Oui, bien sûr. Après, on ne peut pas tout avoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à une table ou pas ou... Venez, on va jouer au blackjack. Ah bah non, j'ai plus d'argent. Vous voulez jouer au blackjack? Bah j'ai plus d'argent, donc vous allez jouer au blackjack, moi j'ai regardé. T'es joueur ou pas, Barson? Allez. Mais il fait quoi, a priori? Il va arriver, je sais pas, mais peut-être qu'il peut arriver que dans un quart d'heure. Hein. Faudrait que j'achète des jetons, par contre, je n'en ai plus là. Ouais, bah on vous attend. Bah t'as le temps. Bah voilà, moi j'ai plus qu'à attendre mon prochain salaire.
can I help you? Your chips. Non, 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 mais je veux rien en échange, hein. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Tu veux jouer contre... Si, tenez, tenez, c'est quelque chose que vous n'avez jamais goûté. C'est du Coca-Cola de burger. D'ailleurs, ça me fait penser que tu m'en as filé tout à l'heure. Tu as eu goûté ? Oui, prenez, prenez, c'est du Coca-Cola, c'est très bon. D'accord, moi je suis plutôt Sprite, mais bon, oui d'accord, Sprite... Mais attendez, non, je n'ai pas sur moi... Non, mais j'ai de quoi, boire et manger, ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est gentil, hein. Mais vous goûterez, vous verrez. Moi, c'est pas ma boisson préférée, mais c'est une boisson où quand on a mal au ventre et qu'on boit un petit peu, on n'a plus mal au ventre. Ah d'accord. Ah bah écoute, j'essaye. Oui. Alors, on va faire du blood check. Allez, c'est parti. Hein. La dernière fois que j'ai joué avec Nas au Blood Deck, je suis arrivé avec 100 jetons, je suis reparti avec 6900 jetons. Oh. Allez, on est parti. C'est vrai que toi, on a fait une belle radio. Oui, moi je vais vous montrer, je connais très bien. Attends, t'as des jetons? Oui, monsieur Dozy m'en a donné, il est très gentil. Ah bah, let's go. C'est à droite. Ouais, c'est vrai. J'ai pas le pass VIP, moi. Mais moi je l'ai pas non plus, je suis pas encore un assez gros joueur, ils m'ont dit. En vrai je pourrais me le payer, mais bon... D'argent, mais nous on veut plus. J'aime bien la table du fond. Ah bon, on se met ici alors. Ouais, on se met ici. Sinon la table du fond. Vas-y, vas-y, on va se mettre là. Vas-y. Bah, la table du fond c'est ma table pour bonheur, mais c'est pas grave. Welcome, sir. Bon, là ça rigole pas, hein. Moi je le dis, je suis très pas fort. Ah, pour commencer, ouais, petite mise. Pour commencer, 50 jetons. Ouais, ouais. Petite mise, 50 jetons, qui suit? Un as, vous avez? Ah oui, j'ai mis. Oh, j'ai un valet. Ok. 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 And that's blackjack. Oh, mais alors, mais c'est sérieux? Ah, bah j'ai fait un blackjack, tiens. Ah, bah tiens. Et il l'a gagné. Merci. Would you like another card? Bah, on a perdu. Bah, attendez, c'est pas fini. Ah, on joue pas contre lui. Ah, oui, c'est vrai qu'on joue contre le croupier, tu me l'avais dit la dernière fois. Too high. Aïe, aïe, aïe. Another card? Moi je tiens une petite carte, s'il vous plaît, madame. Une petite, pas une grande. Ah bien. Oui, ben moi je vais rester là, madame, ça ira pour moi. Ah, ouais, je veux bien une autre. 15. Oh, c'est tendu, ça. Ouais. Ah oui, très tendu, 15. Moi je tire pas à 15. Après, bon. Ouais, je vais tenter le diable. Ouais, vous pouvez tenter le diable. Ouf. Bravo, bravo. T'as 19, attends ici. A 10. Goodbye now. Non, non. Allez, on a deux gagnants. Bah magnifique, hein. Et monsieur Barson, alors, de BPP. Écoutez, monsieur Dozy. Allez doucement, monsieur Barson, je sais pas pourquoi, mais je vous sens un peu... Allez-y doucement avec les mises, hein. Soyez prudents. Vous étiez là? Oh non, mais vu que j'ai quitté, vu que je me suis levé sans faire exprès, ben elle m'a dit que j'ai quitté la partie. Ah mince. Ah du coup, vous aviez gagné? J'ai pas gagné. Ah mince. I see 16. 19. Oula. Attention, oh, je sens qu'elle va nous sortir un blackjack. Vous avez vu mes cartes? Vous avez quoi comme carte là, monsieur Barson? Vous avez combien?
Ah. Mais il a déjà le blackjack. Ouais. Ah, vous avez le blackjack. Oh, bah d'ici, je vois pas bien. Ah, bah, bah. Non, il a... La somme que j'ai perdue, je l'ai doublé. Je peux avoir un 3, s'il vous plaît, madame. Non, mais là, j'ai eu un 8, c'est parce qu'il me faut, madame. Oh là là, vraiment. Ouais, j'en veux bien une autre, s'il te plaît. Oh, oh là là, vous voulez, vous faut pas sortir, hein. C'est elle qui peut sortir, hein, non merci, hein. Même avec un as, hein. 19, oh non, le, comme ça, la télé. Oh, c'est pas possible. Voilà. Bravo, monsieur Barson. Eh oui, monsieur Dozier. Oh là, mais vous gagnez beaucoup de temps, hein. Oh, bah, qu'est-ce que vous voulez. La chance, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ok. Allez, rien fou, je vais parier 100 jetons. Allez, espérons. Hein. Ah, 6. 6, c'est la moins bonne carte du jeu. Hein. Pardon, hein. Vous le dire, mais c'est la moins bonne carte du jeu. Sur le côté, il a un 6. Quasiment sûr de gagner. Hein. Oh, j'ai un 15. Oh, par contre, Dozy. Oui, c'est chaud hein, pour moi, ça va bien, tout va bien. Mais elle a un 4, hein, donc elle peut sortir. Hein, 14-24. Hein, allez, envoie une autre carte. Oh, combien vous aviez? 15. Ah, bien, bien. Ouf. Ouais. Actuellement, il a 17. Il va 17 plus. Ouais. Vas-y. Another card? Ouais. Non, pas une grande. Oh, oui, j'ai 20. Oh, bravo. Mais je reste, ou je reste avec 20. Oui, non, faut pas tirer parce que. Ah là, mais hey, je connais. C'est moi qui suis courant. Ouais, parce qu'avec un 4, vous allez voir ce qu'on va faire. Ouais, bah elle fait un 9, et d'où tu le sors? Oh, 19. Oh, ah, bah même avec ça, j'aurais perdu de toute façon. Oh. J'ai gagné 200. Bah bravo, bien, bien. Je suis revenu à 1000. Ah, bah moi, c'est la troisième main que je gagne. Enfin, deux mains gagnées, une main match nul. Bon. Ah, la chance tombe. Ouais. Your bets, please. Moi, je vais rester sur 100. A 10. J'ai presque envie de faire un tapis. That's 11. Moi, j'ai un as. Oui, bien. Ah, moi, j'ai un 4. C'est compliqué. Mais j'ai un 2. Oh, il y a un blackjack là-bas. J'ai 7. Bravo. Ah, bah, j'ai 20. Ouh là là, elle a du lourd, elle. Elle a du lourd. Another card? Oui, donne-moi la carte, oui. That's a 16. J'ai 16. Ah, c'est dangereux, là. C'est quoi la probabilité que tu me sortes moins d'un 5, alors que, vas-y, dans tous les cas, j'ai pas beaucoup plus que toi. That's 21. Ben voilà, j'ai 5. Oh. 21. Do you want card? Non, merci. Would you like another card? Moi, je joue pas comme ça, je sais pas faire. Moi je passe, moi, avec 14. And that's 20. Mais vous savez, monsieur Dozier, elle a peur de moi, les coups de fière, c'est pour ça qu'elle me donne les jetons. Ouais, bravo, bravo, bah, hein, bravo. Ouais, ouais, ouais. Mais vous vouliez faire au line, un tapis, mais à tapis, vous auriez tiré à 15. Pas forcément. Eh ouais, ça change, hein, bien sûr. Mmh. Ça change les comportements, hein, suivant les mines. Ah, ça dépend. Hein. Là, par exemple, je sens que je peux en mettre 500 pour le fun. Ah ouais, mais attention, c'est beaucoup. Hein. Là, je vais en mettre 500. C'est beaucoup, hein. Oui, il est bleu, le jeton. Ah bah, tout le reste à 1500. Ouais, je te suis. Ouais, vous venez de gagner, alors je sais pas si c'est bien de mettre 500. Hein. Si, si, c'est la bonne. Moi, je vous dis, j'ai confiance en moi. D'accord. Moi, j'ai un 17. Bah, j'ai un 16. Bah, moi, j'ai fait blackjack. Me fatiguer beaucoup, hein. Mais ça, c'est parce que vous êtes monsieur le gouverneur, monsieur Dozy, c'est pour ça. 18. Il a un 18, putain. Un 18, ben, la probabilité que tu me sortes un moins d'un 5, c'est que tu me donnes un 4. 20.
Le micro, t'as demandé un 4, t'as donné un 4. Voilà. Maintenant, je reste dessus. Oh, vas-y, j'essaye de mettre une carte là, une petite, hein, s'il te plaît. Oh putain. Après, à tout moment, elle me sort un as et puis c'est mort pour moi. Hein. Non, elle aurait déjà sorti du pain. 20. Aïe, aïe, aïe. Elle est 20? Ouais. Oh, j'ai seulement gagné 500. Ouais, vous êtes remboursé en fait. Parce que vous avez fait égalité. Mais je crois que madame, t'as pas compris. Quand moi je te dis que tu gagnes, c'est que tu gagnes à la prochaine partie. Tu me laisses gagner, madame. Il est bon, il est bon. Eh ben. Bon, cette fois, du coup, je mets 500 vu que je